Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous emmène dans notre aventure pour trouver une voiture. Ça rime. On est censé passer ou non le permis vendredi prochain. J'espère que oui, tous les deux. En fait, en Caroline du Nord, on peut pas acheter de voiture sans avoir passé le permis. Du coup, c'était la première étape. Puis là, aujourd'hui, à une semaine du permis, on va faire un tour des garages pour voir si on trouve une voiture qui pourrait nous convenir. On va voir. Tout premier stop, on va chez notre ancienne marque pour toujours avoir des problèmes de voiture. Je pense qu'on va faire genre 17 stops aujourd'hui. Je sais pas combien on va en faire. C'est quoi l'objectif dans les prix? 200 quelque chose? En dessous de 200. En dessous de 200 par mois. C'est ce qu'on va essayer d'avoir parce qu'on va faire un leasing, donc c'est parti. Donc on pourrait avoir l'une des voitures de location qu'on a, enfin la même modèle de voiture de location qu'on a déjà eu. Mais c'est quand même assez cher. Donc on va voir s'ils ont des voitures des voitures déjà utilisées. Comment on dit? Des voitures... je sais plus comment est-ce qu'on dit. Pre-used. Puis sinon on va aller voir ailleurs. Du coup on a fait Volkswagen, Chevrolet, Nissan. C'est fa... Il a laissé où ses clés, Favo? Ouais. Ah, bref, du coup, on a été à Volkswagen, Chevrolet, Nissan. C'est les seuls trois qu'on a fait? Volkswagen, Chevrolet, Nissan. Ouais. On en a fait trois. Tout si c'était assez sympa. Donc, tout premier, ils nous ont dit qu'on avait pas de leasing en dessous de 200 et que leur voiture d'occasion, j'ai trouvé le terme, c'est voiture d'occasion. Leur voiture d'occasion, la moins chère, c'était 15 000. C'est ça qu'elle a dit, elle? Il me semble que c'était 15 000, mais c'était une occasion et elle était pas en bon état. Ah ouais, elle avait 100 000 kills, je crois. Ouais. 100 000 miles. Voilà. À Chevrolet, ils avaient presque rien et il nous a dit qu'il n'aurait pas de leasing. La plupart des leasings, ce serait pas en dessous de 300, quelque chose. Et puis à Nissan, le vendeur était vraiment super sympa. Il nous a fait faire un tour de voiture. Ils avaient pas mal d'offres, de trucs qu'on pourrait prendre là maintenant. Ils ont en gros aussi dit que a priori pour la durée qu'on est là, on n'aura pas une offre de leasing en dessous de beaucoup. Genre là pour 3, je crois pour 36 mois. Ça dépend de combien est-ce que tu te déposes, mais je crois que c'est autour de 300 $, un truc comme ça, pour 36 mois par mois. Du coup c'est trop haut. Donc on est en train de se dire que potentiellement on a meilleur temps d'acheter une voiture neuve parce que le prix des voitures d'occasion, elles sont presque, enfin tout proche des prix des voitures neuves, tellement proche que ça vaut presque plus la peine d'avoir une nouvelle voiture. Donc on va voir si on trouve une offre avec peut-être le... On a un programme de bénéfices avec certains pricing sur certaines choses, dont les voitures avec son travail. Donc on va voir si on trouve une offre comme ça. On va continuer nos prospections. Ça se dit, prospection. Nos recherches, on va continuer nos recherches sur internet et puis voir ce qu'on peut trouver. Voilà pour l'update. Et en attendant, on est dans la queue pour le Chick-fil-A de Timothée. Pas de moi. Pourquoi de toi? Ben, t'es un peu plus content d'y aller quoi. Moi je prends une salade donc voilà. Aujourd'hui on est dimanche et on va faire une exposition, on va voir l'exposition de Van Gogh immersive où on voit plein de tableaux de Van Gogh exposés sur les murs, projetés sur les murs, donc c'est un peu un jeu de lumière. On est dans une situation difficile parce que cette semaine le football américain a repris et du coup tu me suis à fond, ben, moi je suis un peu parce que c'est quand même assez cool à suivre. Et ça fait aussi montre partie de la culture américaine qu'on apprécie. Mais du coup, il y a un bon petit moment, on avait réservé pour aller voir cette exposition de Van Gogh, que je me réjouis beaucoup d'aller voir. Mais ça tombe pile pendant l'un des matchs que Tim veut plus voir de ce week-end et de cette semaine. Donc, je vais vous le montrer, mais ça fait depuis 10 minutes qu'on est censé partir. Et on part pas. Donc, j'espère qu'on va pas arriver en retard et qu'il va quand même réussir à apprécier l'expo. En tout cas, je me réjouis. Je sais pas si vous l'avez compris dans les autres vlogs, mais on vit vraiment proche du stade. Puis là, le match des Panthers, donc l'équipe de Charlotte a terminé. Puis c'est genre comme ça, plein de gens habillés en bleu qui défilent dans les rues pendant 2 heures avant et après les matchs. Donc c'est cool. Et de la musique et des bouchons aussi. Un peu moins cool, mais bon. En partie pour ça qu'il faut qu'on y aille. Simon, on y va? Hein? On reste là?
Mitch. On a réussi à partir. We're both throwing smoke into the night. It's raining, I suppose you need a ride. She said, I've got nothing to do, neither do you. There's a place down the road where we can waste the whole afternoon. I overheard that she was 19. She's got a fake ID and a nose ring. Those kind of girls tend to know things better than I do. And I'm dying to figure out what she's hiding. Just playing it cool, but she's lying better than I do. Dire qu'ici on devrait pouvoir faire des monstres rêves, c'est tout à fait ce que tu consommes, non, les rêves en plus. C'est ce que tu consommes, les rêves. Thank you.
Je suis pas sûre que je puisse vous mettre. Incroyable. Bon, ça fait une semaine que j'ai commencé à donner mes cours de français. Là, je vais à mon deuxième cours de français et j'ai commencé avec un autre groupe, mais par Zoom. Et pour le moment, ça se passe bien. C'est vraiment très différent que d'enseigner à des enfants, sachant que là, j'enseigne quand même à une enfant, mais à elle et sa mère. Et on sent que c'est dans quand même le domaine du privé, on va dire ça comme ça. Donc, mais pour le moment, ça se passe bien et c'est intéressant et c'est un nouveau challenge, donc c'est cool. J'ai l'impression que je suis une working girl parce que j'ai un truc à faire par semaine. Mais mine de rien, pour le moment, je m'ennuie pas du tout. Donc je pense qu'il y aura probablement une vidéo où j'expliquerai pourquoi je m'ennuie pas, parce que j'ai toujours des trucs à faire et toujours envie de faire des trucs. Mais du coup, je conduis plus qu'en Suisse et c'est cool. Bon, on est vendredi matin. C'est aujourd'hui qu'on passe le permis. Alors, on est un petit peu stressé, mais ça va le faire. On n'est juste pas très chanceux parce que, franchement, depuis qu'on a emménagé ici, il fait toujours beau. Forcément, c'est aujourd'hui. Parfois, c'est comme ça. Hein. Mais j'espère que ça se passera bien. En gros, on a un examen de la vue. C'est ce qui fait un peu flipper Tim. Je pense que ça devrait aller. Mais... Ensuite, après l'examen de la vue, on a un test sur la forme des panneaux et la couleur des panneaux. Après, on a un examen théorique. On doit réussir 20... Coucou, Achise ! Achise qui vous dit bonjour. On doit réussir 20 questions. Je crois qu'on en a 25. Achise, c'est bon. Et après, bah, y a la pratique. Mais je crois que la pratique, c'est un peu ce qui me fait le moins peur. Parce que tout ce qu'on a compris, c'est genre 10 minutes. Et c'est pas genre aller sur l'autoroute ou des trucs comme ça. Je me demande juste Aristo, il est trop drôle. Aristo ! C'est pas le moment de m'apporter ça. Ça, c'est pour que je déjeune. Ils sont beaux chauds ce matin. Je pense qu'ils sont. Peut-être ils ressentent notre stress, je sais pas. Mais ils sont beaux chauds. Enfin, voilà. Je vous tiens au courant. Ça n'a rien à voir, mais j'en profite. Parce que peut-être que certains l'auront vu. Mais j'ai reçu un petit colis de ma moutille. Merci, maman. Avec de l'ovo maltine. Incroyable. Du coup, petit déjeuner un peu suisse. Et l'autre, c'est trop une tuerie, c'est vraiment un truc... Heureusement que je sais pas lire les calories. Non, ça va, en fait. Mais bon, quand même. C'est excellent. Mais c'est avec parcimonie, ce genre de choses. Petit déjeuner réconfortant, en gros, pour se sentir solide à l'examen. Devinez qui veut encore faire compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est nous. Bon, première bonne nouvelle. On a tous les deux passé notre test des yeux. On a tous les deux passé notre test sur les panneaux. On a tous les deux passé notre test théorique. Youhou, déjà super. Moment d'aller passer notre test pratique. Déjà, bon, on a les deux la même voiture, donc ça faisait que c'était compliqué pour les mecs de comprendre qu'on avait la même voiture alors qu'on avait deux billets différents. Enfin bref, je vous épargne les détails. Mais en gros, le mec arrive à la voiture avec Tim, puis lui dit que bah, ça va pas être possible de passer le permis parce que la voiture de location qu'on a une plaque expirée. Oui, une plaque expirée. Donc là, ils ont dit qu'ils avaient freeze notre demande de permis, donc on peut essayer de retourner aujourd'hui pour autant qu'on ait une nouvelle voiture. Là, on est à l'agence de location et on attend de savoir s'ils ont un moyen de nous donner une voiture qui a une plaque bien ou de changer la plaque, j'en sais rien. Mais sur la porte, je vais vous montrer ce qui est écrit. Tim est en train de discuter avec la dame. Mais du coup, suspense, j'aimerais bien être comme vous et pouvoir juste passer à la fin de la vidéo pour voir si on arrive à avoir un permis ou pas. Pour le moment, je ne sais pas. Voilà ce qui est écrit. No cars at all. Et Tim qui attend derrière. Bon, là, ça fait pile 3 heures qu'on attend. On est venu, donc c'était la dernière séquence cinématographique que vous aviez juste avant. La dame de l'agence de location nous a dit qu'on pouvait... Enfin, que la plaque était enregistrée et renouvelée, mais qu'il fallait juste mettre un autocollant par-dessus, mais qu'elle devait aller le chercher. Ça prenait environ 45 minutes, donc on s'est dit qu'on allait aller manger, qu'elle nous appelait quand elle l'aurait. Et on n'a pas eu de ses nouvelles. Du coup, après avoir mangé et attendu un peu, on s'est dit qu'on allait revenir. Puis là, l'agence est fermée. Et du coup, bah, on ne sait pas quoi faire. Il y a un numéro de téléphone, on appelle, personne qui répond. Et on ne peut pas laisser de message parce que la boîte est pleine. Donc on attend. On attend et en même temps on se dit qu'on aurait peut-être meilleur temps d'aller dans un autre budget, même si on est quasiment sûr qu'ils vont
nous dire qu'ils sont pas affiliés à notre contrat et puis qu'ils peuvent rien faire pour nous. C'est mais... joli la Honda mise à part ça. Y'en a une là. Y'en a une là. C'est peut-être la voiture qu'on va acheter si un jour on arrive. On a réussi notre permis. Youhou! Finalement, on a réussi à l'avoir. Donc on a réussi à avoir un autocollant. On a réussi à retourner à l'office avant que ça ferme. Là, ils ont accepté de nous prendre pour faire le permis pratique. Tim est passé en premier, il a réussi. Je suis passée en deuxième et j'ai réussi. C'était rigolo parce que je pense qu'il avait un peu des a priori positifs sur le permis en Suisse. Et du coup, peut-être qu'il s'est dit qu'on était des bons conducteurs. Et je pense qu'effectivement, il y a une grande différence entre passer le permis en Suisse et passer le permis aux États-Unis, en tout cas en Caroline du Nord. Et puis, c'était juste drôle parce qu'à un moment, il a demandé, vu que Tim est passé en premier, ça m'est pas arrivé, mais je pense que ça me serait arrivé aussi. Il a demandé à Tim de faire un freinage. Puis ben nous, enfin, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais quand on a appris à conduire, quand on fait un freinage, c'est un freinage d'urgence. Du coup, on accélère et après on freine. Et là, il était un peu là, pas du tout préparé à ça. Tim, il accélère et freine. Et le mec l'a regardé, il était là. Qu'est-ce que tu fous? Du coup, quand Tim est revenu vers moi, il m'a dit, quand tu fais le freinage, fais-le tranquillement. J'étais là, ok. Et avant que le mec me demande de faire le freinage, il m'a dit, ok, alors on va faire un freinage, mais ça sera pas un freinage à la Suisse. Bon, bref, c'était marrant. Du coup, hier, on est allé un peu voir des voitures encore. On en a essayé une. On a un peu de la peine à se décider parce que bah, c'est une assez grande dépense d'argent. Vu qu'on s'est dit qu'on allait acheter parce qu'on s'est rendu compte que faire un leasing, c'était pas avantageux, ben ça représente une grande quantité d'argent quand même, même si on veut pas prendre une Tesla ou une voiture de sport. Mais du coup, on a fait quelques essais. On s'est pas encore tout à fait décidé. Et ben le truc, c'est qu'un peu comme avec nos meubles, en fait, il y a une pénurie de voitures importées aux États-Unis, de nouvelles voitures. Du coup, le prix des voitures d'occasion est ultra haut. Et du coup, vu qu'il y a tous ces, on va dire, cuts dans la production et dans l'importation de nouvelles voitures, ben, il y a plein de voitures qu'on ne peut pas avoir avant un ou deux mois. Et nous, ben, on n'a pas envie d'avoir encore à payer une voiture de location. Donc, on va voir quelle solution on choisit. Et puis voilà. Je vous mets un petit extrait de notre sortie d'hier. Décapotable. On reteste de nouvelles voitures. On est dans une petite Kia Forte GT, c'est ça? Forte GT? C'est la GT Line. GT Line, voilà. Puis aujourd'hui, pour se féliciter d'avoir réussi notre permis, on va bruncher dans un petit restaurant. C'est parti! Before you gotta go, I wanted you to know, you're always on my mind, you're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind, to be unkind. Aujourd'hui, on est le jeudi 23 septembre et on reçoit notre nouvelle voiture. Youhou! Alors, après moult réflexions, on s'est décidé pour prendre la dernière voiture qu'on a essayée, donc les derniers extraits que vous avez vus. Donc, c'est une Kia 2021, enfin, toute nouvelle quoi. Je sais pas combien est-ce qu'elle a de miles, mais peu. Et c'est la version sportive de cette gamme-là, la GT Line. Je vais pas commencer à vous parler pendant très longtemps de voiture parce que je m'y connais pas. Mais en gros, à la différence de ce que vous avez vu dans l'extrait d'avant, c'est que pour cette voiture-là, en fait, on n'a pas pris celle qu'on a essayée. On l'a pris dans un autre garage parce qu'il proposait une offre plus attrayante, moins chère. Et du coup, on n'a pas l'option avec le toit ouvrant, qui, à mon avis, n'aurait pas été très utilisé, nous connaissant. C'est toujours une plus-value, mais ça valait pas la différence de prix. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 3 000 $. De plus juste pour ce toit ouvrant, et il y avait 2 haut-parleurs de plus, puis là on en a 6, donc je pense que ça devrait aller. Et du coup, au final, on a fait comme une commande sur internet. Après, on a été en discussion pendant assez longtemps avec une vendeuse de Kia pour savoir quoi, comment, qu'est-ce qu'on devait donner administrativement et tout ça. Et puis ce matin, elle nous a confirmé donc qu'elle était pour nous, et je suis allée à Bank of America pour faire un cashier check. Et du coup, là,
un peu plus tard dans l'après-midi, elle est censée nous l'amener. Ce qui est cool parce que vu qu'on n'a plus de voiture de location, on n'aura pas pu aller au garage pour la chercher. Donc il nous la livre. Et là, on va signer tous les papiers, leur donner le cashier check et puis après, la voiture sera à nous. Donc normalement, le prochain plan, c'est la voiture. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est notre nouvelle voiture. Incroyable, on a même le bord rouge, ça fait vraiment voiture de sport. C'est un peu voiture de vilain même. Tour complet, alors c'est clair qu'à côté de l'Audi, ça paraît peut-être pas terrible, mais... Wow. Incroyable. So you want to be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Damn right. You